Salut, aujourd'hui je vais vous parler d'un phénomène télé qui cartonne, les chaînes info en continu. Place au direct. Les journalistes en plateau doivent tenir l'antenne toute la journée, même s'ils n'ont rien à se mettre sous la dent. Alors, il y a ce qu'on appelle les marronniers, des sujets périodiques, récurrents et prévisibles, qui comblent les journées sans événements majeurs. Les fêtes de fin d'année, comme tous les ans. Oui, et puis les fêtes de fin d'année, c'est aussi les voitures brûlées en banlieue. C'est Noël. Oui, et Noël, c'est aussi les achats de dernière minute. Les soldes. Oui, les soldes, c'est aussi les soldes. Le changement d'heure. Oui, et le changement d'heure, c'est aussi... Les premières baignades. Oui. Feu vert sur les départs en vacances. C'est la rentrée scolaire. Il est arrivé. Oui. C'est le Beaujolais nouveau. Le format vient de la radio. Bon, là, c'est de la télé, alors il faut de l'image. Route bloquée, sens giratoire perturbé. Et non, ce n'est pas les gilets jaunes, acte 322, mais le manteau blanc de la neige. Tout de suite, notre correspondant sur le terrain. Comme vous le voyez, il n'y a aucune raison que je sois là. Il n'y a personne. Pour cause de froid, il percute mon visage. À dans une heure. Pour combler le vide, ils font appel à des intervenants. Vous êtes spécialiste des ronds-points? Depuis quand ça existe? C'était dans les jardins. Je vais devoir vous interrompre parce qu'on me dit que l'élocution est imminente. Vous disiez donc au sujet de... Alors donc, oui, les ronds-points, ils sont tous quasiment ronds. Excusez-moi, je vous interromps. Excusez-moi, vous êtes spécialiste de la neige. Alors, comment est-ce possible? Je dirais, on est au mois de mars, il fait moins 4 degrés, automatiquement, il neige. Comment ça se passe? C'est de l'eau gelée qui vient du ciel. Elle vient effectivement du ciel, mais... Le procédé est très naturel, finalement. Voilà, je peux... Enfin, d'où vient la couleur, par exemple? On s'interroge tous sur la couleur blanche de la neige. Les journalistes ont l'art de la répétition. Et puis un sujet plus léger maintenant, la Fashion Week commence ce week-end. La tendance est au jaune... Et au gilet. Qu'en est-il de l'héritage de Gilets jaunes à l'idée? Tout de suite, notre reportage. Mais le problème, c'est qu'avec les réseaux sociaux, l'info est déjà en ligne avant même que le camion du duplex ait trouvé une place sur les lieux. Du coup, le journaliste arrivé sur place rachète les images d'un amateur, filmé au smartphone en mode portrait, et le diffuse à l'antenne. Selfo. La première chaîne info en mode selfie. Bah, c'était ça, les chaînes info. Tadam, tadam, encore plein de morts. Bonjour. Oui, mais bonsoir, bienvenue à l'actualité ce soir. Breaking news. J'ai inventé le PQ qui défile. Oui, Noël, c'est aussi les achats de dernière minute, tout de suite sur notre Twitter. Il fait froid. Voiture cassée, voiture brûlée. Les fêtes de nains. Alors, c'est les fêtes des nains. Bonne fête à tous les nains, si vous en connaissez. N'hésitez pas à leur dire admettre.